C'est un peu de fonte. Bernadette Chirac, bonsoir. Ouh, que tu es laid, toi. Écoutez. Et toi aussi, t'es laid. Et toi aussi, vous êtes tous laid. Bon, mais c'est, le plaisir est partagé. Madame Bernadette Chirac... Madame Chirac, nous n'avons pas récolté les pièces jaunes ensemble, à ce que je sache. Quel manque d'éducation, franchement. Oh mon Dieu, des gueux. Des gueux. Vous êtes tous des gueux. Bon. Bon, dites Madame Chirac, franchement, pardon. La puanteur du pauvre. Pire, la puanteur du wallon. Non, dites, vous savez, le cliché du pauvre wallon, c'est complètement dépassé, hein, je vous le dis tout de suite. Alors, dans ce cas, voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Tenez, c'est pour mon opération pièce jaune, faites passer. Et ne me touchez pas. Le peuple, ah, mais... je vous jure. Oui, mais c'est les fameuses pièces jaunes, hein. C'est magnifique, c'est pour améliorer l'hospitalisation des enfants, c'est ça? Non, c'est pour payer mon parcmètre. Ah bon? Je crois quand même pas que je vais sortir un seul sou de ma poche pour donner dans ce petit pays tout vilain. Hein. Et on met des pièces dans la fente. Oui, mais je pensais que vous les donniez pour collecter des fonds, moi. Mais je le fais aussi, ce n'est pas parce que j'ai la tronche de Fabiola que je garde l'argent pour moi. D'accord, voilà. D'accord. Bon, on m'avait prévenu qu'elle était charmante. Madame Chirac, un film est sorti sur vous? Oui, je l'ai vu et j'ai détesté. Ah. Sauf l'actrice principale qui me ressemblait comme deux gouttes d'eau. Voilà. Ah oui, ben Catherine Deneuve. Non, Margot Robbie. Mais non, mais ça c'est le film Barbie, ça. Ah oui, mais c'était mon nom quand j'étais plus jeune. Ah bon? Et l'acteur qui jouait le rôle de Jacques était très ressemblant également. Hein? En plus, c'est vrai que de son vivant, il ne pensait qu'à une seule chose, Ken. C'est évidemment beaucoup plus drôle. Alors non, mais là... Il s'agit d'un biopic sur vous, joué par Catherine Deneuve. Deneuve, elle n'est pas morte. Mais non, enfin... Ça va encore coûter un pont à Stéphane Bern pour restaurer ce monument déglingué. Deneuve, alors qu'il y avait une personne idéale pour m'incarner. Ah bon? Laquelle? Gérard Depardieu. Bon, alors, ça parle de quoi, ce film? Bah, de vous. Bah, c'est une version assez libre de vous. C'est une comédie. Mais je m'en fous de votre avis, avec votre crâne à la Juppé et votre arrogance à la Sarkozy. Tout mon entourage m'adore, et chaque fois qu'il me voit, il me chante « Bernadette, elle est très chouette ». À cause de la chanson de Nino Ferrer, Le téléphone. Non, parce que je traîne dans les couloirs toute la nuit en les regardant avec des grands yeux. Il m'appelle la vieille chouette. Alors je les regarde et je fais « Ouh, ouh, que tu es laid, que tu es laid ». Ça va, ça va. Vous savez, Jacques aimait beaucoup venir en Belgique. Ah bon? Cette ambiance populeuse de foire à saucisses. C'est ça. Il adorait ça. C'est ça. Et il adorait aussi également les femmes belges. Ah. Elles le rendaient chocolat Jacques. Ah. Très bien. Bravo. Et moi, dans ces cas-là, c'était plutôt galère. On comprend bien, on comprend bien. Mais j'ai trouvé le moyen pour qu'il n'aille pas voir ailleurs. Ah bon? Lequel? Le veuvage. Ah, maintenant qu'il n'est plus là, c'est beaucoup plus facile. Oh oui, ça, j'imagine bien. Quel bonheur de vivre seul sans devoir se demander si la femme qui se trouve dans votre chambre est réellement une infirmière ou si ce n'est pas un emploi fictif créé par mon mari pour lui vider les baloches. D'accord. Bon, alors, Madame Chirac... Les baloches. Bon, ça alors, fait longtemps que je n'avais plus entendu. Nous avons... une surprise pour vous parce qu'une personne est venue spécialement de France pour vous saluer. Une personne très importante. Je peux même dire que c'est la personne la plus importante de France. Ben, je le sais, puisque je suis là, imbécile. Mais non. C'est quelqu'un qui vous admire énormément et qui voulait absolument vous le dire ce soir, mesdames et messieurs, le président de la République, Emmanuel Macron. Eh bien, écoutez, bonsoir, monsieur le président. Bonsoir, madame Chirac. Et bonsoir, le peuple de Belgique. J'aime le peuple belge. Enfin, j'aime les peuples qui ne me huent pas et je crois que vous êtes le seul. Bon, c'est qui, lui? Ben, c'est le président de la République, madame Chirac. Bon, Jacques est mort en 2019. Prends. Enfin! Je n'aime que les plantes grasses. Voilà. D'accord. Bon. Enseignez-vous, hein. Mais oui, mais c'est l'actuel président de la République, Emmanuel Macron. Je n'ai pas, il ne me plaît pas. Ouais. On dirait un vendeur de voitures qui essaie de vous vendre une DAF verte en vous faisant croire que c'est une Ferrari Testarossa. Madame Chirac. Sachez que je suis venu personnellement vous saluer pour vous témoigner toute mon admiration ainsi que ma tendresse. Tendresse, ça veut dire quoi? Et sachez que j'ai un intérêt profond pour vous. Et ce depuis que je suis tout petit car j'ai un poster de vous dans ma chambre. Enfin, mais qu'est-ce qu'il raconte? Sachez, madame,
Ma Bernadette. Oui. Est-ce que vous permettez que je vous appelle ma Bernadidoudidoudachérie? Mais absolument pas. Vous m'appelez madame. Oh oui, madame. Oh, c'est encore plus excitant, madame. Non mais, monsieur Macron. Madame, j'ai été un vilain garçon. Allez-y, frappez-moi avec votre sac, madame. Non mais bon, pas. Écoutez. Oh bah si c'est lui qui le demande. Allez-y, demandez-moi un 49-3. Mais demandez-le. Mais pourquoi voulez-vous un 49-3? Mais pour que je puisse passer en force. Allez-y, huez-moi. Huez-moi. Non, non, mais monsieur le président, et Brigitte. Alors, monsieur de Warzé, j'entends vos propos. Oui. Mais depuis que j'occupe mes fonctions présidentielles, oui. Sachez que j'ai mûri. Et vous conviendrez que, avec le poste qui est le mien à mon âge, ce serait vraiment inconvenu de me balader avec une petite gamine comme Brigitte. Ah, d'accord, d'accord. Bernadette, vous, si joviale, si enjouée, si chaleureuse, soyez mienne. Appelez les CRS et les pompiers pour qu'on leur refroidisse. Mais dites, vous croyez vraiment qu'elle est joviale, chaleureuse? Parce que là... Dois-je vous rappeler que je passe la majorité de mon temps à côtoyer Elisabeth Borne? Ah oui, on saurait. J'ai rien dit, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Bernadette, laissez-moi glisser une pièce jaune dans la fente de votre cochon. Non, 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 arrêtez, arrêtez. Bon, attends, monsieur Macron, ça suffit. Vous me réchauffez le climat. J'ai envie de caniculer avec vous. Calmez-vous, je pourrais être votre grand-mère. Oh, et en plus, vous me prenez par les sentiments. Bernadette, n'attendons pas. Je ne voudrais pas être taxé de nécrophilie. Je veux cueillir ce fruit mûr avant qu'il ne soit blé. Et puis vous sentez la naphtaline. Non, bah écoutez, monsieur Macron. Bernadette, j'ai envie de glisser ma langue dans les infractuosités creusées par les mythes dans les trous de votre gilet. Bernadette, je vous propose d'être comme celle de Lourdes. Comme Bernadette de Lourdes? Mais quel est le rapport? Eh bien, si vous acceptez mes avances, je vous promets que vous verrez plusieurs fois la verge. Bon. Sur ce, je rentre en Corrèze. Allez, allons faire de la spéléologie en Corrèze. Oui, oh bah oui. Ça, c'est une région qui révèle des profondeurs insoupçonnées. Hein. Oui, et sachez que j'aimerais les visiter avant qu'elles ne soient complètement inondées. Bernadette, mon cœur brûle comme un rond-point infesté de gilets jaunes. Ma joie déborde comme les grandes bassines de Sainte-Soline. Je pourrais peut-être vous montrer ma tour Eiffel. Non, 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 non. Monsieur Macron, vous dépassez les bornes, monsieur Macron. Et voilà, elle est partie. Bon, ils sont où mes sous? Mes sous. Ah, c'est... ah d'accord, ah, ben, ça va, on avait bien compris pourquoi vous étiez là, vous, en fait. D'accord, c'est ça. Bon, eh bien, je m'en vais, je pars. Ah oui? Comme la France est partie du Mali. Sans se soucier du bordel qu'elle a foutu derrière elle. Ah, bah, merci beaucoup, alors on vous applaudit, bravo.